First, I would like to thank all the organizers for the invitation. It's a great honor for me to participate in this conference dedicated to a French school. Personally, I don't have much connection with Professor Gaudemont. So when I was an undergraduate, I was educated by American textbooks. So I didn't know about Gaudemont until I came to Paris for my master's degree. And because I like to stay in the library, so I'm immediately attracted by the textbooks by Professor Gaudemont and together with all his remarks on the nuclear weapons and so on, something non-mathematics. I have to admit that all these affairs appeared more interesting than automorphic forms to me. So anyway, so okay. And another personal, well, I have to say something related to Gaudemont. So okay. So another thing is okay. So when Professor Gaudemont passed away, there is an article called Roger Gaudemont, in the journal of SNF. Okay, last year. So another news is, okay, this article has been translated into Chinese. So, okay, so it appeared. It appeared in some Chinese journal, which are called Translations in Mathematics, something like that. Okay, so, yeah. Okay, I will just write down the pronunciation of that journal called Yiling. Almost immediately after the French version, so it's also in the last year. So I'm the translator, so this is the only thing I can do in memory of Professor Gaudemont. And I think his remarks on the relation of mathematics to humanity and the society deserve to be heard by the mathematicians in a developing country like China. So, but unfortunately, according to the website of this journal, the number of downloads so far is one, so maybe people read the paper version, I don't know. So anyways, that's not a big problem. Okay. So in the beginning, I thought it's better to speak in French, so I prepared my notes in French. So if I switch to English, maybe I will get confused. So I will continue in French, and I apologize for my broken French in advance. So, okay. So, aujourd'hui, je vais parler sur la stabilisation ou la pré-stabilisation. De la formule de Tas pour Sedan Hervetmont. Donc, je vais expliquer ce que signifie le mot Hervetmont dans la suite. Donc, la motivation est la suivante. Choisir un groupe réductif. Donc c'est toujours supposé connexe.
sur un coq de nombre f. Et on s'intéresse à étudier la formule des traces. Donc, on écrit sous la forme suivante. Donc, il y a une distribution invariante I, et il y a deux codés, c'est-à-dire deux expressions de cette distribution. L'une est géométrique ou orbitale, et l'autre est spectrale. C'est la distribution invariante dans la formule de traces d'Arthur. Et le but de stabilisation de la formule de traces est de exprimer cette distribution-là en termes de distribution stable sur des, comment dire, des groupes plus petits, comme ça, et fois des coefficients explicites. Et ici, c'est print et d'autres données parcourent l'ensemble des données endoscopiques. Associées à C. Et S et donc c'est une distribution stable sur C' point à tel. Et ici, C' c'est toujours un groupe quasi déployé. Donc l'existence de cette distribution stable, c'est une part du programme de stabilisation. Donc, sa définition est assez non triviale. Et une fois on a cette stabilisation, on peut déduire beaucoup de renseignements sur le côté spectral, à savoir des renseignements sur les représentations automorphes. C'est pas OK. Et ici, j'ai pas encore expliqué les fonctions f', ce sont les transferts de f. Donc ici, f', c'est une fonction test sur le groupe j', qui est un transfert de f. Donc on a beaucoup parlé de ce transfert dans l'exposé précédent. Et pour commencer, l'idée, c'est de commencer avec la partie régulière simple. Disons I elliptique régulière F. Donc j'utilise tout simplement les notations de professeur Arthur. Et on vise à écrire cette distribution en termes de distribution stable au côté endoscopique. Tous ces éléments gamma sont
regular semi-sums. Donc, le sujet aujourd'hui est de faire la même chose bon, sur des revêtements. Donc, on fixe n qui est le degré du revêtement dans ce qui suit. Dès que tous les racines n et n de l'unité est défini déjà sur F. Et on fixe aussi un prolongement de mu n dans C étoile. Et on remplace les points intédiques de J par un revêtement, c'est-à-dire une extension centrale de JA par ce groupe fini appelé mu n. Et puis pour parler des fonds automorphes, on fixe aussi un sandage de cette de ce revêtement sur JF. Et puis pour toute place V, on peut tirer cette extension centrale pour obtenir un revêtement au sens local. Et on peut poser des questions de l'analyse harmonique dans ce cadre sur les revêtements parce que c'est un groupe localement compact et même localement profini dans le cas non archimédien. Donc, la question où les F sont des. Une question naturelle, c'est est-ce qu'il y a une formule de traces qu'on se d'acteur pour les revêtements Oui, cela existe, et bon, sous certaines hypothèses. Et puis, deuxièmement, stabilisation. Donc, très peu connu sur la deuxième question. Donc, dans ce qui suit, les fonctions test dont la formule de trace sur J tilde, ce sont des fonctions F sur ce vêtement tel que il est équivalent par rapport au mu n. Comme ça, où Z est dans mu n. Donc il suffit de regarder ces fonctions test parce que les autres modes d'équivalence, comment dire, peuvent être traités par une procédé de récurrence. Donc la deuxième question, c'est une question de beaucoup plus arithmétique que la première parce que stabilisation il utilise beaucoup de renseignements algébriques. Donc, il faut signaler une classe de revêtements d'origine géométrique ou algébrique. Donc, une classe de revêtements est proposée dans un article par Belansky
est de ligne en demi-âne. Ce sont des vêtements provenant de extension centrale par 4. J'utilise un autre symbole comme faisceau sur disons spec F. On prend le concept de Zariski. J'ai pas besoin de ces détails. Et pour de tels revêtements, ils ont obtenu une classification complète en termes de données combinatoires. Ok, j'utilise ce tableau. Donc c'est raisonnable de poser la question suivante. Une fois on a des revêtements d'origine arithmétique comme ça, on se demande si le programme de Langlands marche pour J tilde. Il y a déjà des conjectures. Bon, pas beaucoup de gens. Voici une liste très incomplète. Donc, il y a des conjectures par Westman et aussi Gan, Gao et plus récemment Ogat géométrique par Gatesbury et Lisonko. En particulier, pour de tels revêtements, on sait définir le L-groupe d'un tel revêtement provenant de la construction de Bielanski de ligne. J'ai besoin seulement du groupe dual de Langlands. Donc c'est F1. Comparé avec le cas des groupes réductifs, on peut se demander si il y a une stabilisation. Donc, j'ai déjà posé cette question. Et il faut proposer une théorie de endoscopie pour de tels revêtements J tilde. Donc Westman, il ne discutait pas de telles questions dans son article. Il y a beaucoup de difficultés parce que J tilde, c'est a priori c'est un groupe localement compact, donc il n'y a aucun sens de parler de conjugaison stable. Voici quelques difficultés pour premièrement, on dit que un élément gamma dont JF qui est régulier, semi-simple. Ici, F est soit global ou local.
Et on considère des revêtements de JF ou JA selon F est local ou global, naturellement. Et on dit que gamma, c'est bon. Si la stabilisateur dans le revêtement de n'importe quel relèvement gamma tilde par la projection j'écris P est égal à P moins 1 égal à l'image réciproque de son réalisateur au niveau de J. Bon, je continue ici. Pourquoi c'est important? Parce que ce sont précisément les gamma semi-simples régulières telles que les intégrales orbitales de F le long de n'importe quel gamma tilde sur le revêtement est non trivial. Donc ce sont les orbites qui apparaissent dans la formule des traces pour J tilde. La classification, c'est pas encore complètement connu. Et s'il y a une théorie d'endoscopie pour de tels revêtements, alors cette question doit avoir une réponse assez simple. Par exemple, on peut penser à la géométrisation de la formule des traces. Alors, on doit remplacer la base de Sternberg par une version bonne pour les revêtements. Alors, il faut résoudre cette question-là. Donc c'est la première difficulté. Deuxièmement, endoscopie. Et il faut définir les notions suivantes sur données endoscopiques. En particulier, les groupes endoscopiques associés. Donc, en particulier, ce sont des groupes réductifs. Ce ne sont pas des revêtements. Donc, la formule des traces stables, si cela existe, il doit relier les revêtements avec les groupes réductifs. Et puis, dans le cas de groupe réductif, il faut aussi une correspondance entre les orbites de J et de ces groupes endoscopiques. Et enfin, les facteurs de transfert delta, qui est le plus compliqué. Et une fois qu'on a défini tout ça, on peut essayer de prouver le lemme fondamental et le transfert, des choses comme ça. Okay. Voilà. Donc,
Donc, OK. Bon. C'est largement inconnu, mais il y a déjà des cas plus simples. Premièrement, pour les revêtements de tore, c'est déjà non trivial, mais c'est résolu. Donc, mais il faut que cela soit déployé. Donc, le programme de Longlands pour le Teletor, je crois que c'est résolu dans des articles de Wiseman. Et en fait, il a obtenu une correspondance de Longlands pour revêtement de Tor. Et puis, pour Z égale à SP de Zen, et on considère des revêtements à deux feuilles, mais non trivial. Alors, c'est une classe de revêtements très bien connue. Ce sont des groupes métaplétiques. Ici, il y a déjà un formalisme de, comme ça pour tous ces ingrédients. Donc, c'est proposé d'abord par. Qui? Par Jeffrey Adams, Renard, et dans ma thèse. Et puis plus récemment, les identités de caractère local sont démontrées par Cai Hua Luo dans sa thèse. Donc, la stabilisation complète n'est pas encore faite, mais on a déjà pas mal de résultats. Et comment ça marche? Cela utilise la représentation de Weyl, écrite toujours comme oméga psi. Donc, c'est un outil très puissant, mais c'est plutôt un outil analytique. Donc, je pense que ce n'est pas possible de généraliser aux autres vêtements. Bon, la troisième cas, c'est le revêtement de SL2 et pour tout N. C'est dans un article non publié, à ma connaissance, par Hiraga Ikeda. Comment ça se fait? Donc, tout est explicite. Il le fait par des calculs et des formules très explicites à l'aide de cocycles ou du cocycle de Kubota. Donc, en particulier, cela répond aussi aux questions. Donc, je ne sais pas si c'est sur Archive, mais vous pouvez le demander chez professeur Hiraga ou Ikeda. Quels sont les groupes endoscopiques? Donc, ce sont des groupes endoscopiques sont, disons, PCL2. Si le degré du revêtement est pair, et sinon, ce sont des tores. Tour maximale dans SL2 dans le cas impair. Donc, si M est pair, cela, donc le revêtement se semble PCL2, mais si M est impair, alors le revêtement se semble SL2 lui-même.
Donc pour adresser cette question-là, c'est naturel d'essayer de généraliser les deux cas, les cas 2 et 3 à la fois, et voir si ça marche. Donc aujourd'hui, je fais une esquisse pour le cas de SP 2N F, encore local ou global. Okay. Je traite principalement le cas local parce que c'est plus simple. Et ici, N, c'est n'importe quel entier admis. Mais comme d'habitude, on suppose que c'est coupling avec caractéristique et puisque, pardon, c'est AR. Et pour les groupes synthétiques, on suppose toujours caractéristique n'est pas 2. On considère un revêtement comme ça, CF, ou les points radiques. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de revêtements à M fait, mais ici on prend celui qui est plus, qui n'est pas simplifiable ou qui est primitif. Plus précisément, ce sont ce sont les revêtements construits par Matsumoto sous la direction de Burat, donc c'est aussi un résultat de l'école française. Bon. Donc il s'agit de spéculations, il n'y a pas de théorème aujourd'hui. L'idée générale, c'est de se ramener systématiquement au cas SL2 traité par Hiraga Ikeda. Dans le programme de Langlands pour revêtement par Weissmann, il y a des isogénies partout. Ce sont isogénie comme ça. D'abord, le revêtement Z-Hilda, c'est dû à Weissmann et beaucoup d'autres. C'est très bien connu. Le revêtement, c'est déterminé par... Bon, dans la théorie générale, c'est déterminé par, bien sûr, par N, et aussi une forme quadratique. Sur le réseau X étoile T sur F tilde, où T c'est un torque maximal sur F. Et dans la théorie générale, on construit de façon canonique une isogénie vers T. De source TQN. Je vais le faire explicite. Les co-caractères. Pardon? Oui.
Oui. Et une fois on a une telle isogénie, on peut donc je travaille dans le cas, disons dans le cas local, pour simplifier. Donc on peut tirer ce revêtement par d'abord on se restreint sur T, donc il y a quand comme ça, cartésien. Et puis, par iota. Donc, obtient un autre. On obtient un revêtement de TQN. Et en fait, pas difficile. C'est que l'image de TQM dans T est, oh, ok, il consiste en des bons éléments par rapport au revêtement T-tilde. Donc cela donne une approximation du problème de classification de bons éléments. Mais il y a en général, il y a d'autres bons éléments qui n'est pas dans l'image. C'est la source de toute difficulté. Dans notre cas, cette isogénie s'identifie à T vers lui-même par la puissance M sur BGCT de Zn. Tout simplement. Deuxièmement, on peut décrire ce tort assez simplement. On peut écrire comme un produit direct des torts de non 1 ou pour chaque i, on a une extension de corps séparable. Et au i, sharp. Et puis, il y a encore une extension séparable. De degré 2. Mais ce n'est pas forcément un corps, ça peut être déployé. Et en tout cas, on peut parler de la norme. Et donc T, cela s'identifie à ce truc-là. Donc plus précisément, il y a une restriction à la vague là-dedans. Mais je ne vais pas l'écrire. Et tout ça, ce sont des groupes algébriques. Oui, oui, bien sûr. Et aussi, maintenant, on sait qu'on peut plonger des signes à R copie. Donc, c'est assez évident. En fait, la construction, c'est complètement canonique, indépendant de tout choix. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a des théorèmes, mais ce n'est pas un théorème de moi-même. Il y a un théorème qui classifie tous les bons éléments dans le pour des tilde.
il dit que le centre de Théoda, c'est l'image réciproque de, d'abord, on a bien sûr l'image de l'isogénie, okay, image, mais ça ne suffit pas en général, mais on peut voir tout ton élément avec ce signe. C'est contenu dans Hiraga Ikeda par calcul explicite. Et par les mêmes techniques, on peut aussi définir, on sait aussi définir une notion de conjugaison stable. Pour cette théorie. Comment ça marche? L'idée, c'est simple. On prend T. Donc c'est, et puis il y a un groupe là-bas. Si on écrit T, si on identifie T comme ça, là-bas. Et le I, non 1. Alors, ZT, c'est tout simplement SL2 sur LI sharp. Quitte à restriction de, à la veille. Et toute conjugaison stable, disons pour le groupe réductif J égale à SPT, se réalise par, disons, dans ZT. Donc cela nous ramène au cas de SL2. Donc, dans le cas de SL2, il y a aussi un problème de restriction de veille pour les revêtements. Donc, mais on peut prouver le résultat nécessaire. Dans le cas de SL2, conjugaison stable est réalisée par l'action de PGL2F. Sur SL2, c'est F, et cela se relève uniquement en une action sur les revêtements. Donc, il y a un bon candidat pour conjugaison stable, mais c'est pas la définition correcte. Il faut ajouter pour obtenir une définition raisonnable. Donc, il faut un facteur de correction. Et aussi, il faut donc la bonne définition, il s'avère que c'est contenu dans
dans un preprint archive, sur archive. Donc le résultat, c'est comme ça. Maintenant, la formule sera très longue. Je crée ici. Il faut travailler avec les torts choisis. Donc, on considère une conjugaison stable, pas des éléments réguliers semi-simples, mais des torts maximaux sur F. Mais ici, C, c'est plutôt dans PTL2. Ou CF bar, peut-être. On veut le relever au revêtement. C'est une conjugaison stable. Et on définit maintenant pour chaque sigma qui est un système de signes. Et on suppose que sigma est trivial si n n'est pas divisible par 4. Alors, on va dot TQN, revêtement de TQN par sigma, de façon assez bête. Donc, c'est comme TQN tilde. On a des éléments delta tilde sur dont le revêtement est un autre élément delta note. Et s'il n'y a pas de sigma, alors la définition est tout simplement comme ça. Ici, on prend delta, l'image de delta tilde. Mais avec sigma, on change chose comme ça. Ce n'est plus un tor, c'est un espace homogène. Ici, c'est donc P tilde. Alors, le résultat dans le preprint, c'est une version cohésive de adjoint C pour les revêtements, mais avec torsion par signe sigma, et qui s'opère pas seulement sur T tilde et S tilde, mais sur leur par l'isogénie et puis tortu par signe. Donc, c'est ce qui est canonique. Et pourquoi il faut ajouter ces signes? Parce que dans la classification de bons éléments, il faut qu'on dote l'image de l'isogénie par de tels signes. Donc ici, cela apparaît aussi. Mais où est la forme quadratique Q? Q, OK. Bon, c'est utilisé dans la définition générale pour n'importe quel revêtement. Ici, on n'en a pas besoin. Bon. Voilà, donc, il y aura une... Donc, on peut formuler une notion de stabilité. C'est un peu bizarre parce que bon, c'est très différent que le cas du groupe réductif. Stabilité. Et on peut. Et en fait, on peut tester cette définition
en construisant le paquet dit epiblogic. À la cabeza. Et puis prouver leur stabilité. Donc cela montre que toutes ces notions se rassemblent de façon satisfaisante pour moi. Donc, ok, j'ai encore 10 minutes, non? Ok, donc je vais parler de l'endoscopie. Maintenant, on a une conjugaison stable, un peu bizarre, mais on peut essayer de définir l'endoscopie. Donc, rappelons qu'il y a déjà un groupe dual défini par Weissman et peut-être d'autres gens. Et selon sa construction, le dual de J dépend seulement de N mod 2. C'est soit SO deuxième plus un C si N est impair. Donc dans ce cas-là, c'est pareil que le groupe SP lui-même. Et SP deuxième C si N est pair. Bon, plus précisément, je distingue deux cas. Et je l'écris deux fois la même chose parce que en fait c'est un peu différent, mais je ne vais pas donner les détails. Donc, qu'est-ce que les données endoscopiques? Maintenant, c'est facile de deviner la définition. Si N est pair, désolé, impair, alors tout est pareil comme le cas sur le vêtement. Donc ce sont des... bon, c'est un peu compliqué, mais c'est comme le cas de SP deuxième lui-même. La même définition. Et si M est pair, alors c'est aussi défini par Adams, Renard et Domates, fait à Paris. Alors, dans ce cas-là, les données sont en bijection avec des entières, un point, un second, avec son égal à L. Il n'y a pas de symétrie. On ne peut pas les changer. Et alors, le groupe endoscopique c'est deux copies différentes de SO deuxième prison. En tout cas, ce sont des groupes quasi déployés. Ici, c'est tout simplement déployé. C'est pareil que le cas bien connu de M égale à 2. Mais il y a une différence, donc on l'a défini. Mais il y a une différence pour la troisième, pour le troisième point. Pour la correspondance d'orbit. Donc, il faut relier les bons éléments
pour le revêtement ou les éléments des groupes endoscopiques. Ici, on a tort maximal, et puis une donnée endoscopique, et puis le groupe endoscopique, défini là-haut. Et rappelons qu'on a l'isogénie de TQN vers T. TQN, c'est égal à T, plus explicitement. Et on peut le plonger, selon la théorie générale de Weissmann, on peut le plonger dans le groupe endoscopique H. Et de façon, un peu équivalente, donc équivalente par rapport au groupe de Weyl, de côté. C'est tout est contenu dans le formalisme général. Et bien sûr, pour M ampères, on définit une correspondance d'orbite par la procédure. Ici, c'est aussi un grand taux maximal. On a les orbites de Weyl qui sont voies sur les orbites de Weyl dans T. Et cela vous donne une correspondance des éléments des orbites stables, semi-simples, régulières. Il n'y a pas de revêtement là-bas. Et pour n pair, il faut insérer avec un signe. Comment définir? Le moins 1 intervient pour disons pour la partie provenant de la deuxième composante du groupe endoscopique. Bon, c'est pas très clair, mais tu parles donc. Donc de cette façon, on voit que cette correspondance voit tous les éléments. Tous les bons éléments pour le revêtement. Délicat. Bon, pour finir mon exposé, j'avais parlé du facteur de transfert. Voilà. Donc, les facteurs de transfert, je ne sais pas le définir en général, mais il doit vérifier au moins les propriétés suivantes. Donc, c'est comme ça, bon, régulière, semi-simple, vers C, disons au cas local. Dès que
il n'est non nul que il est non nul si et seulement si les images, l'image de delta tilde se correspond avec gamma pour la correspondance définie là-haut. Et puis il est équivalent pour sous translation par mu n. Donc, nous n'oublions pas la présence de mu n. Et puis il se comporte bien par rapport à la conjugaison stable. Donc ça s'appelle propriété de Kosick, colloquement. Mais ici, il faut utiliser la version bizarre de la conjugaison stable. CAD sigma. C'est des choses comme ça. Et aussi, dans le cas global, il y aura une formule de produit. J'ai encore besoin de 2 minutes. OK. Si n est égal à 2, alors c'est défini d'abord dans le cas spécial par Adams au cas réel, et puis dans ma thèse. Et en général, le cas général pair, je ne sais rien, mais sauf pour SL2. C'est toujours dans Hiraga et Ikeda. Ils ont des formules explicites. Mais pour M ampère, bon, je peux donner une définition assez facile. Donc pour des éléments en correspondance orbitale, comme cité-ci, on peut prendre delta nul tel que son image par l'isogénie, c'est delta. Et rappelons que ceci est tout simplement delta nul à puissance n. Donc maintenant, il y a une technique assez classique. Donc on choisit n'importe quelle image réciproque. Donc, c'est aussi dans T, identifié avec TQN. On choisit un relèvement, et puis on pose delta tilde canonique égale à delta tilde à la puissance n. Donc, cela s'envoie sur delta. Donc c'est bien défini dans le revêtement. Et donc il suffit de définir le facteur de transfert au cas où delta tilde est égal à ce relèvement canonique. Comment le définir? Il y a un candidat naturel
on peut le définir. Quand le facteur de transfert sans revêtement, c'est-à-dire pour SP2N lui-même, en choisissant des épinglages, des choses comme ça. Donc maintenant, donc la question suivante. Donc pour tester si c'est le bon candidat, bon, les propriétés si là-bas sont faciles à vérifier, mais il faut aussi vérifier que on a transfert et lemme fondamental. Bon, je ne l'ai pas encore fait, mais une fois on a une définition concrète comme ça, c'est facile de voir si cela marche ou non. Mais maintenant, c'est une spéculation. Donc, je m'arrête ici. Merci. Des questions, questions? Souvent, pour établir des lemmes fondamentaux, on se ramène à une situation infinitésimale. Oui. Là, on peut espérer tomber sur quelle situation? Oui, oui, je crois que ça marche aussi donc. Dans ce cas-là. Oui, d'accord, mais ce serait quelle situation, quelle... C'est des nouveaux énoncés ou on va retomber sur des énoncés qu'on connaît? Je pense que dans ce cas-là, M ampère, on doit retomber sur le même cas pour SP2N. L'endoscopie pour SP2N? Oui, sur la diable de Lie. Donc, il n'y a pas de lemme fondamentale non standard dans ce cas-là. Mais au compte... Mais pour le cas père, il sera plus compliqué, je crois. Bon, merci encore. Merci.